du vieux passé. Nos adversaires sont paniqués et ils sont troublés. Ils ont peur de ce Lunalais. Qu'ils aient peur ou pas, il sera le futur président de la Guinée. Ibe wawi jabbo ibe wawi teddungal e mamu ba wanjarama dans la lutte contre le troisième mandat. Mamu a perdu beaucoup de ses enfants aussi bien à Mamu qu'à Conakry. Une minute de silence pour tous les martyrs. Mamu a payé effectivement un lourd tribut dans cette lutte contre le troisième mandat, qui signifie aussi la lutte pour la défense du droit et de la Constitution. Vous avez été violenté, vous avez été bastonné, vous avez été séquestré. La plupart de vos maires ont été arrêtés et mis en prison. Le secrétaire fédéral, les membres du comité fédéral des jeunes, les femmes, chacun a payé lors de ce combat. Je tiens à vous exprimer toutes les félicitations du FNDC pour ce combat héroïque que vous avez mené à Mamou malgré cette répression. Les fils de Mamou sont tolérants les uns vis-à-vis de l'autre. Il y a une véritable fraternité au-delà des ethnies et des partis politiques à Mamou. Nous voulons que demain la Guinée soit comme Mamou. Celle qui sera dirigée par l'UFDG, par son candidat, ce soit une Guinée fière de la diversité culturelle et linguistique de notre pays. Mais qui ne doit pas être handicap pour l'unité. Cette diversité doit être un atout pour la construction d'une Guinée forte et prospère. Vous avez suivi dans les réseaux sociaux, à la télévision, l'accueil qui nous a été réservé à Farana, à Kissidougou, à Gekedou, à Massanta, à Zérékoré, à Lola, à Djéké. Vous avez vu le peuple de Guinée. Nous étions allés pour convaincre nos compatriotes de la forêt. On a trouvé qu'ils étaient plus convaincus que nous qu'on doit dégager Alpha Condé. Ils m'ont dit tout ce qu'ils ont subi depuis qu'Alpha Condé est au pouvoir. Ils m'ont relaté les promesses non tenues. Ils m'ont parlé des infrastructures qui n'ont même pas été entretenues. Ils m'ont parlé de la violence dont leurs enfants ont été victimes, notamment avant, pendant et après le double scrutin du 22 mars. Ils m'ont parlé des conditions difficiles de vie. Ils m'ont parlé de déficit d'infrastructures. Ils m'ont parlé de cette administration répressive. Ils m'ont parlé de tout ce qu'ils subissent comme misère de la part de cette administration de Alpha. C'est aujourd'hui toute la Guinée qui veut dégager M. Alpha Condé. Pour deux raisons. D'abord, son bilan catastrophique. J'ai eu le privilège de faire Conakry-Zérékoré sur les routes de l'enfer. On dirait un état en guerre. Il n'y a eu aucun entretien du réseau routier. Il y a eu près de 500 associations de jeunes qui ont décidé de soutenir le candidat de l'UFDG de la NAD. Alpha Condé, effrayé par ce élan de sympathie, a décidé de réprimer l'UFDG en Haute-Guinée et d'empêcher toute activité de notre parti. Ils ont recruté des jeunes. Ils ont déchiré les banderoles, détruit les kiosques d'animation. Ils se sont attaqués à notre siège. Ils sont allés ériger un barrage devant notre cortège. Certains d'entre vous se posent la question, pourquoi on n'a pas forcé pour continuer? Je vais vous le dire. Ce n'est pas un manque de courage. C'était des enfants qui ont l'âge de mes enfants, très jeunes, qui sont victimes de la manipulation du RPG. J'aurais pu demander à mes gardes, dégagez-nous la voie pour qu'on passe. J'ai trouvé qu'engager un combat contre ces jeunes innocents n'était pas responsable de ma part.
Qu'est-ce que Alpha fait? Ils sont attaqués à ceux qui étaient sortis pour m'attendre. Ils ont blessé plus de 50 personnes. Ils ont brûlé plus de 4 maisons après. Ils ont saccagé des boutiques et des magasins. Le message qu'on a envoyé, c'est le calme. Nous demandons à Mamoun de rester calme. Alpha Condé est à quelques jours de la fin de son mandat. Ne l'aidons pas à détruire la Guinée dans ce cadre-là. Préparez-vous à voter et défendre vos suffrages.